Bonjour à tous. Parlons bien, parlons peu. T'as demandé un contrat avec l'heure, le jour, la date et un grec. On t'envoie un contrat avec l'heure, le jour, la date et un grec. Maintenant, tu te chies dessus, tu flippes, t'es une grosse salope et tout le monde le voit. Moi aussi, j'aurais voulu que ça se passe en Europe. Mais tu sais très bien qu'avec nos antécédents Orly, aucun préfet n'aurait donné l'autorisation. C'est pour ça que dans ton contrat bidon, toi-même, il n'y avait même pas de. Il y avait Belgique, Suisse, etc. Toi-même, tu savais pas. Le promoteur, il a contacté mon avocat, il a lu le contrat et la Tunisie, c'était le meilleur compromis. Mais apparemment, t'as un problème avec la Tunisie. Quoi, la Tunisie, c'est pas assez bien pour toi? Tu crois qu'il n'y a pas l'eau chaude? Tu crois qu'il n'y a pas l'électricité là-bas? Ouais, il n'y a pas mon nom sur ta partie, parce que c'est une partie entre toi et le promoteur. Il y a ma partie entre moi et le promoteur. J'ai signé ma partie. Si tu veux, je mets mon nom sur ta partie. Ouais, c'est une représentation scénique, parce qu'on n'est pas des combattants. J'espère que tu es au courant que tu n'es pas un combattant, tu es juste le coq sportif. Une salope bodybuildée. Tout le monde le voit maintenant. Et parle pas de ma religion. Il y a des joueurs de foot qui font la Ligue des Champions pendant le Ramadan. Donc t'inquiète pas pour mon entraînement. Signe le contrat ou ferme ta gueule à tout jamais. Parce que t'es une grosse salope, tout le monde le voit maintenant. Ouais, j'ai pissé.